Bon, il va falloir que je décharge ces petites bottes. Hop. On démarre. Bon, waouh! Que je détruise pas la voiture de ma femme parce que là elle me tue. Et c'est parti. Waouh! Apparemment, il y a un nouveau commissariat qui s'est installé, je crois que c'est là. Juste vite, on va voir. Je vais juste voir s'il y a pas une... s'il y a une voiture de... Ok, c'est des gendarmes. Allez, dépêche-toi, monsieur. Dans cette ville, ils avancent pas. Ouais. Personne à gauche. On y va. Waouh, il est gros lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Et en plus, ces gyrophares, ils sont même pas allumés. Putain, il est taré. Il fait quoi lui à rouler dans le fossé? En plus, il tourne chez moi. Bon, moi, je vais passer par là vite fait. Hop. Nickel. Oui, bonjour. Ouais, est-ce que c'était pour savoir, est-ce que je t'avais dit que... Oui, que tu finissais à 20h, oui. Ah, ok. Tu m'as déjà dit hier. Oui. Moi, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Bon, toi... Je vais te faire. Je vais t'emmener au magasin, peut-être, pour te faire réviser. Ou peut-être pas, non. Bah non, t'es neuf, donc j'ai pas besoin de te faire réviser, toi. Faut juste que je te fasse chauffer, c'est tout. Je vais voir si le plateau il est bien là-bas. Si c'est bien le plateau de la Terra. Ah, ok, c'est bien ça. Juste vite fait, ouais, on va bouger la voiture. On va la mettre où? On va la mettre là. Oh putain. On va la mettre là. Je connais celle-là qui est aussi en deux essieux. Hop, on va essayer de pas shooter un barbecue. On allume les gyrophares, on va passer par là-bas, ce sera plus simple. Ça tremble ici. Nickel. Bon, normalement la police a aucune raison de m'arrêter parce que de toute façon j'ai mes gyrophares. Donc alors, donc juste vite fait, on regarde sur la tablette. Sur la tablette, sur la tablette, sur la tablette. Alors
Ça j'enlève. Je mets juste ça. Ok, il n'y a aucun champ. C'est une blague. Donc ça veut dire que je pars alors qu'il n'y a aucun champ. Ok, d'accord, c'est génial. Je pars alors qu'il n'y a aucun champ dans... Enfin, il n'y a aucun champ de betterave. Bah, du coup, ce qu'on va faire. Alors, on va tourner à gauche. N'empêche, on va faire autrement. Wow. On va le mettre dans le champ. Hop, voilà. De toute façon, c'est le mien. Nickel. Hop, logiquement, voilà, j'ai éteint. Rien d'autre est allumé dessus. Nickel, on va juste cacher, comme d'hab, les clés là. Voilà. Donc, plutôt, on va prendre. On va pas décharger les bottes maintenant. On va prendre un petit, un tracteur assez gros pour semer. On va prendre. Ouais, je vais prendre le 1455. Hop, je baisse la béquille. Tac. Je détache. Voilà. Normalement, c'est bon. Nickel. Donc, il démarre, c'est déjà ça. On allume les gyros et c'est parti. Wow, putain, j'ai failli toucher le bateau. J'entends la sirène d'ici. Je ne vais pas livrer à moins que. À moins qu'il me le. Qu'il est en train de me l'amener. Sais pas. Ah bah il me l'a amené, nickel. Ça doit être celui du concession. Ok. On va attacher ici aussi. Et on met la prise de force. Nickel. Non, je veux pas le déplier, je veux le lever. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. En plus, je crois que celui-là prend du fertilisant, donc c'est nickel. Après, je vais aller au champ à côté de la ferme, donc au 10. Normalement, pour le 10, il faut tourner ici. Ouais, nickel. La remorque comme ça. Nickel. Nickel, elles sont là. Donc déjà, on a mis de la semence. Ouais, c'est bon, allez, on va là. Hop, on met le tuyau dedans. Nickel, voilà. Et maintenant, hop.
on prend le tuyau de celui-là, hop, on le met en haut là-dedans, voilà, nickel. Et puis je l'arrête quand, du coup, quand il se braque là. Hop, nickel, tac. Hop, hop, je remets la bâche et on est parti. Wow, que j'abîme dans mon bâtiment. J'ai l'impression d'entendre une voiture. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait là chez moi? Enfin, dans ma ferme. Monsieur, savez-vous que c'est une société, un endroit privé ici? Je viens juste vous demander si... Bonjour d'abord. Police nationale, gendarmerie nationale, maman. Je veux juste demander si le tracteur qui était pas, il est à vous. Oui, il est à moi. Oui, bah parce qu'il y a les feux allumés, si vous voulez le démarrer, bah peut-être les éteindre. Attendez, quel feu? Quel tracteur? Massif Ferguson. Ah non, il est pas à moi, je l'avais vendu hier soir. Je l'avais vendu hier soir. D'accord, bah vu qu'il est sur le trottoir allumé et tout ça, je vais l'emmener à la fourrière. D'accord, bah donc, allez-y. Bah, peut-être même, demander bah, à l'ETA, ouais. Parce que c'est peut-être à l'ETA, je sais pas. Ok, bah je vais voir. Merci monsieur. Au revoir. Il m'a fait peur ce con. Bon du coup, il va me coller au derrière du coup. Il y a du maïs au chez 8. Ah ouais, je vais peut-être rappeler le théâtre parce que je pense qu'il y a le théâtre sur le secret. Bon, je vais laisser mon fils travailler quand même parce que c'est quand même une recrue et il devrait quand même travailler donc on va le laisser faire quand même un peu. Hop. Allez mon fils, travaille bien. Fais pas le con. Hein. Donc, alors. Donc ça va, la ferme elle est pas si loin, elle est à 1 ou 2 km. Bah on va appeler l'ETA, parce que je pense qu'il est à l'ETA du coup. Donc alors, on prend le téléphone. Le ETA appelé. Mince. Oui, allô, l'ETA? Oui, ce serait pour savoir si vous pouvez venir au champ, juste en face du champ que je vous avais acheté, qui était derrière le concessionnaire, celui qui est juste à droite de la route, celui qui est en maïs. D'accord. Bah sinon, dites-moi combien... Je vais voir combien il coûte et je vous ramène l'argent directement. Vous me donnez les papiers et tout ça. Tant qu'à faire. Bah j'arrive avec l'argent. Hein. En plus, il y a la police qui vient, donc il va croire que je vends des stupéfiants. Donc je vous laisse. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc, ça déjà, c'est fait. Donc, alors,
Normalement, il y a une affiche pour dire combien ça coûte. Il coûte 63 000, ok. Et bon, on va lui ramener l'argent, mais il faut que j'aille chercher ma voiture. Rebonjour, monsieur. Bonjour, je voulais demander, le tracteur qui est dans le champ, est-ce qu'il est à vous? Lequel? Le tracteur à betterave, je crois. C'est déjà, c'est pas un tracteur, c'est une Qui est dans le machine. Mais oui, champ. elle est à moi, celle-là. C'est possible de bouger du champ, s'il vous plaît. Parce Et bon, et pourquoi ça, que bah, monsieur? je voulais vous demander, je voulais vous demander, je vous demandais, vu que le maire m'a demandé. Si il pouvait vous emprunter le champ pour une exposition entre paras. Bah Vous ça voulez dépend, bien ou je pas? suis payé combien? Ça, on verra ça avec le maire. Bah, venez à la gendarmerie en parler tout à l'heure parce que j'ai pas le prix exact. Après, si vous voulez D'accord. bien, parce que j'ai. Si vous voulez, c'est demain ou cet après-midi. On prépare tout pour demain et tout. Et du coup, bah voilà quoi, on vous demandait si on pouvait, vu qu'il y aura deux trucs, deux champs, où il y aura l'exposition qui est en face de votre ferme, et l'exposition qui est derrière le théâtre, je crois, si je me rappelle bien. D'accord. Alors, si vous pouvez passer à la gendarmerie tout à l'heure, ou ouais, tout à Ouais, l'heure, je vais peut-être fin de venir matinée, ouais parce que. à midi, ça vous va? Enfin à midi, je pense pas que Ok, je serai là à ouais. midi, mais je vais essayer. Bah, le temps que je mette le masque et tout, ouais. D'accord, Ouais, bah en tout ok, cas bah je vous dis tout à l'heure, au plus monsieur. tôt tant qu'à faire, Oui. hein. Ouais, D'accord. plutôt. Ouais, Bah tout à à l'heure tout à l'heure, alors. monsieur. Ouais. Putain, j'ai cru que c'est parce qu'il croyait que je vendais des stupéfiants par téléphone. Il m'a fait peur. Donc, faut que je prenne ma voiture. Non, je vais prendre directement mon ensileuse. Ce sera mieux. Je vais prendre directement mon ensileuse. Au moins, en même temps, le TA, je vais pouvoir venir lui demander s'il peut venir m'aider à enciler. Sinon, je vais demander au policier s'il a son. Bah, attends. S'il a un camion, c'est qu'il a son permis poids lourd. Donc, ouais. Donc, ouais, je lui demanderai s'il pourra m'aider avec un tracteur. Tu Putain, tu avec le frais. Bon, je sais pas si ce qui se passe, tout ça. Donc, le TA, il a dit qu'il était en train de faire quelque chose à côté de mon champ. Je sais pas si on va m'appeler sur mon téléphone. Ah, on m'appelle. Ah, alors. Oui, allô? Bonjour, je suis la gendarmerie nationale. Rebonjour, du Je veux coup. dire que vous venez faire midi parce que je dois débarrasser d'abord les acteurs. C'est un peu important. Oui, d'accord. Voilà, je vais juste vous retenir. D'accord, bah, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. D'accord, mon site. Putain. C'était la gendarmerie dès que. Depuis quand ils ont mon numéro, les gendarmes? Ah mais je suis con, ils ont le numéro de toutes les personnes de la ville. Je vais passer directement par mon champ, parce que c'est quand même mon champ. Donc. Ah ouais, le TA il a pas fait un petit. Il a pas pris un petit champ. Hein. Il s'est pas fait chier. Waouh. Bon ça va, avec la moissonneuse qu'il a, ça doit aller. Bon, il doit se demander qu'est-ce qu'il fait lui avec son insileuse, je pense. Je vais m'arrêter en bout de champ. Hop, on l'éteint. Et puis on attend qu'il arrive. Putain, par contre, elle fait du bruit, sa moissonneuse. Ah, il en a un peu oublié, mais bon, ça doit pas être grave.
plus je passe en dessous. Mais oh putain, mais il m'a pas vu ou quoi? Ouais, rebonjour. Bonjour monsieur. Alors, bonjour. Bonjour. Ouais. Du coup, c'est tenez l'argent pour le champ. C'est le champ numéro combien? Le 8, monsieur. Ah, le 8. Il coûtait 63 8, 000, j'ai vu ça sur l'affiche. Le 8, je sais plus s'il est à vendre ou pas. Bah, il était à vendre, oui. Exact. Ah, bah, lui. Ah, oui, il est à louer aussi, si vous voulez. Vous non, bah, non, bah, non, bah, non, je l'achète directement, ce sera mieux. Ok, bah. Donc, si après vous l'achetez. Oui, donc après, si vous en voulez plus, vous pouvez couper le maïs et après vous pouvez le rendre. On vous remboursera la moitié parce que vous aurez quand même coupé du maïs. Ouais. Enfin, à peu près, le maïs, je sais pas, vous faites des moutons si je me rappelle bien. Oui. Parce que là, du coup, je vais m'arranger. Moi, je vais vider au BGA, donc si jamais vous aurez besoin de trucs, vous allez au BGA, vous chargez, vous viendrez me régler, vous me direz combien de tonnes vous avez pris, et puis... Ouais, je sais pas si vous avez entendu, ils vont faire une exposition dans ouais, un ouais, centre j'ai entendu, vous, ouais, il y a... Ouais, il y a mon champ G7, mais moi, je suis pas trop d'accord, parce que j'ai mes hangars, tout ça, dedans. Et ouais, j'ai le champ. Moi, on m'a demandé à moi aussi, pour le champ, juste celui où il est, qui est à côté, justement. Ah. Juste à côté de ma ferme, hein. Donc, Et vous avez refusé ou vous avez accepté? Je sais pas, j'ai demandé combien ils font pour. Moi, ils m'ont proposé 200 000. Bah, moi, il m'a pas donné le prix. Bah, si jamais il me donne plus que vous, je vous le dirai. Et puis, bah, voilà. Bah, du coup, ouais. Ouais, bah, désolé, faut que je parte, faut que j'aille à la gendarmerie là. Parce qu'on m'a justement, on m'a dit de venir à midi et du coup, je suis un peu en retard. Le temps que j'y aille. Allez, au revoir. Au revoir. Elle est où? Elle est là, mon assistance. Hop, on a une mission phare. Bon, d'accord. Donc, à lui aussi, lui ont proposé pour son grand champ d'herbe là. Ah ouais, ils sont chauds là, les flics. Ah, lui aussi, il a une silice, il a une crone lui aussi. Ouais, moi, elle est plus petite. Allez, dépêche-toi, civil, là. La voiture de ma femme, je le tue. Si je shoot la voiture blanche de ma femme, il est dans la merde parce que je le tue. Non, c'est bon, apparemment, il l'a pas touché. Je joue mon pneu qui est raclé contre la barrière. Bon, en espérant qu'il se passe rien, en espérant que... Oh! Ah d'accord, c'est ici. Ah ouais, c'est vrai que c'est ici. Je vais me garer au pif là, hop, voilà. Voilà, bon. Allez, les gars, je coupe l'épisode.